Alors, il est temps de passer à la correction du plan titanesque que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver des possibilités et surtout les limites des petits ajustements possibles. Un tireur de coup franc également. Et un couteau suisse. Allez, c'est parti. Alors on avait laissé notre débutant, enfin on avait laissé à l'origine notre débutant, il forme Titanesque, toutes ses lignes qu'à Titanesque, ça lui prend 17 saisons, et surtout donc avec 15 millions en caisse disponible et 12 dans la réserve. Et j'avais oublié un petit détail, c'est que quand il forme Défense, il avait prévu deux slots de futures ventes. Résultat, il vend donc deux défenseurs centraux, pour 10 millions, et au final, il se retrouve donc avec 25 millions de disponibles, et 12 millions en caisse. On avait dit que son équipe était un petit peu vieillissante, c'est l'effectif complet ici, hein. c'est pas l'équipe, on joue pas en 4-5-3, on est bien d'accord, et donc, c'est vrai qu'il a un gardien de 34 ans, il a des attaquants de 30 ans qu'il va falloir gérer, et donc, puisqu'il a 25 millions en caisse, bah écoutez, autant acheter un gardien, un gardien mythique, avec mythique couffrant, et... pour 14 millions. Et donc il va retomber donc à 11 millions plus 12 dans la réserve. Et là donc il a son petit gardien de 22 ans, comme quoi vous voyez à la fin de son cycle titanesque, même si son gardien était vieux, avec l'argent qu'il avait généré, il pouvait largement retomber sur ses pattes. Au final il a cette ligne d'attaque de 30 ans qui est un petit peu vieillissante, et là, 11 millions disponibles plus 12 en réserve pour payer les salaires, et puis penser un petit peu au renouvellement de son équipe. La situation est pas idéale avec ces attaquants de 30 ans. Alors, comment en est-il arrivé là? Notre débutant, on l'a vu, il a donc enchaîné les cycles d'entraînement, gardien, un coup franc, buteur, construction, ailier et enfin défense. Ce qui a fait 272 semaines au total, 17 saisons. Donc, le but ici dans cette vidéo, c'est de trouver quelques petits raccourcis, quelques ajustements peut-être pas tous être pertinents, mais justement étudier la possibilité de ces raccourcis, justement voir les répercussions financières, voir si c'est pertinent, si c'est utile, si vraiment on peut vraiment gagner du temps dans cette histoire. Alors la première, on l'avait vu dans la vidéo précédente, le premier gros raccourci, c'était de ne pas entraîner défense. On économise 60 semaines, c'est énorme, par contre ça coûte 20 millions, et donc par contre l'équipe est transcendée, parce que du coup la ligne d'attaque n'a que 26 ans. Le gardien a 30 ans, donc là c'était une belle équipe de titanesques avec 10 millions en caisse. 10 millions c'est raisonnable, c'est pas énorme comme enveloppe pas faire des folies, mais cette équipe-là de titanesque, ils sont tous titanesques, attention, ils sont tous titanesques. Par contre, comme il n'a pas formé défense, ils n'ont pas beaucoup de défense, alors que quand ils formaient défense, les milieux de terrain étaient surnaturels. Là, c'est pas le cas. Mais là, une équipe qui est jeune, 26 ans, 23 ans au milieu, 21 ans défense, rien ne l'empêche de former défense avec ses milieux, rien n'empêche de former passe, de former coup franc. Et c'est surtout, c'est une équipe qui est composée que de titanesques. donc c'est une équipe qui est donc en div 4 et donc qui vit confortablement de ses revenus, enfin confortablement, qui équilibre, en tout cas je suis sûr qu'elle équilibre la masse salariale sans problème avec ses revenus de dif et donc il a 10 millions en caisse. Et on voit donc que le fait de ne pas entraîner défense gagne donc 60 semaines, et surtout a donc cette répercussion sur la pyramide d'âge, puisque les milieux, au lieu d'avoir 27 ans, ont 23 ans, les attaquants ont 26 ans, au lieu de 30 ans, Alors, il a moins d'argent en caisse. Mais au final, c'est une équipe qui va durer dans le temps, qui va obtenir des résultats et pourra même jouer une montée en div 3 Alors, je disais, trouver des raccourcis ou des améliorations. La défense, c'est fait, c'est acté. On gagne 60 semaines en ne la formant pas et donc en la finançant avec 20 millions. On va se pencher sur Elier et voir qu'est-ce que notre petit débutant pouvait améliorer avec l'Elié. Alors, les défenseurs latéraux. Il bah, n'y avait rien à améliorer parce qu'il ne les recrutait pas jeunes pour les former. On a vu qu'il achetait directement des défenseurs euh, titanesques. Donc ça, c'était acté. Les attaquants. Les attaquants, il a formé le mercredi deux buteurs qui avaient 23 ans au poste de défenseur latéral pour les faire passer de inadéquates à brillants ailiers. Donc, on a le droit de se poser la question. Et s'il avait pensé à acheter des attaquants qui avaient pas sable ailier, qu'est-ce qui devenait eh bien, Il devenait seulement brillant plus 5. Donc, il ne gagne pas un niveau. Donc, du coup, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 semaines de formation pour passer de brillant à inoubliable ailier quand euh, on a 23 ans. Même là, c'est même 24 ans et qu'on est formé au poste de défenseur latéral. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer inoubliable ailier en 38 semaines Vous vous en doutez, ce sera honorable. Honorable, on passe inoubliable ailier en 38 semaines. Le problème, c'est qu'on est parti à l'origine d'un buteur, honorable, honorable passe avec inadéquat ailier et, et qui coûtait donc 1 million d'euros. Si on prend la triplette honorable, 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 alors déjà sur le marché des transferts, je n'en ai pas vu. Voilà. Si en plus on est exigeant sur une spécialité, ça va être excessivement rare, et ce qui est excessivement rare est cher. La solution, ce serait donc de privilégier honorable ailier, mais donc seulement inadéquate passe au lieu d'honorable passe. Alors je sais, ça va faire grincer les dents, on va dire, ah bah ouais, mais la passe c'est important. La passe c'est important, moi je dis d'accord. Mais si tu formes ton buteur en ailier, c'est dans le but de le faire jouer vers l'aile. Or, un attaquant pour les attaques latérales il utilise 51% de sa note de buteur en étant vers l'aile, et après c'est 64% de sa note d'ailier. La passe ne contribue qu'à hauteur de 21%. Sa caractéristique passe ne va être utilisée qu'à hauteur de 21%. Donc clairement, si vous voulez renforcer vos attaques latérales et que vous donc vous pensez à former en ailier vos attaquants, la passe, on s'en cogne. Vaut vraiment partir d'un départ d'un attaquant de 17 ans qui a vraiment une bonne base en ailier parce que entre un, caractéristique, un niveau de caractéristiques égal entre ailier et passe, il n'y a pas photo. Si vous avez un formidable passe et formidable ailier, le formidable passe ne va être utilisé qu'à 21% et 64% seront pris dans les formidables ailiers pour contribuer à l'attaque latérale. Donc la passe, au final, oui, je reviens en arrière, on peut se permettre, c'est beaucoup plus pertinent. D'acheter un buteur honorable avec honorable ailier et seulement une adéquate passe que d'acheter l'honorable passe inadéquate ailier. Voilà. Là c'est juste que là c'est le top du top, un hein, triple honorable, c'est juste que c'est introuvable. Donc il ne faut pas se culpabiliser, il faut toujours se construire une équipe et recruter un joueur dans un but précis. Si vous prévoyez, ce qu'il faut prévoir, si vous prévoyez d'avoir des belles attaques latérales en utilisant vos attaquants, parce que vous prévoyez de les former en ailier, et eh bien mettez une bonne dose d'ailier. La passe, tant pis, on verra ça plus tard pour toute l'équipe. Alors ok, pour l'attaque centrale, la passe est utilisée à 33%. Alors 33% d'inadéquate au de 33% d'honorable. Bon, ça va faire baisser un petit peu votre note d'attaque centrale. Mais bon, j'ai envie de dire, vous mettez un niveau de buteur en plus et il n'y a pas photo, c'est fini, on n'en parle plus l'histoire. Enfin bon, je trouve que le gain d'attaque latérale est tellement supérieur que c'est pas grave de sacrifier la passe. Et surtout, la passe, vous pourrez la former à la fin. Quand vous aurez terminé au bout de votre 13 saisons, ce n'est pas perdu non plus. Donc honorable bélier. Donc on a vu que inadéquatelier, ça devient brillant ailier et honorable bélier, ça devient inoubliable bélier en 38 semaines. Pas de gain de temps, mais un gain sportif pour l'attaquant. C'est un niveau, c'est pas énormissime non plus, mais c'est quand même important, on va pas cracher dessus. Donc faut penser à s'organiser, faut toujours penser à ce qu'on veut obtenir comme résultat et donc regarder les moyens qu'il faut mettre en place. Pour obtenir ces résultats, et donc là le moyen c'est d'acheter un attaquant avec un honorable, ailier, non pas inadéquate. Alors les ailiers, justement, dans le cadre de cet entraînement ailier, est-ce qu'on pouvait améliorer les choses Notre débutant était parti d'un honorable ailier qui passait titanesque ailier en 38 semaines et il le paye 800 000 euros. S'il si prend un excellent ailier pour devenir titanesque ailier, combien de temps il va gagner Alors déjà la problématique, c'est que ça va coûter 2 millions. C'est pas du tout le même prix, c'est pas le même budget, surtout qu'on en achète 4. Et surtout, au final, c'est seulement 5 semaines de gagner. En payant 2 millions au lieu de 800 000, vous ne gagnez que 5 semaines de formation. Et le problème, c'est que du coup, c'est que c'est 5 semaines en moins pour les attaquants et les défenseurs latéraux. Donc c'est pas hyper cohérent au final. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à la cohérence globale du plan, qu'on a la chance de démarrer et la chance de construire vraiment du, du début. Qu'on doit rafistoler son équipe en cours de construction de son club, quelquefois, bah, on fait avec ce qu'on a déjà formé, et puis bah, c'est comme ça. Mais si vraiment vous prenez soin de, de faire votre plan vraiment à l'avance et de penser à tout, là c'est l'exemple, voilà, vous dites, ouais, super, je vais prendre des excellents alliés. Ok, tu prends des excellents alliés, tu les payes 2 millions au lieu de 800 000 et tu gagnes que 5 semaines, mais tu as gagné 5 semaines. Mais ça veut donc dire que c'est 5 semaines en moins pour les attaquants et les défenseurs latéraux. Donc est-ce que notre attaquant aura le temps de monter à une oubliable alliée du coup Non ah bah Alors du coup, il bah, faut se contenter d'un honorable ailier à former. Ou eh bien c'est pas grave, vous continuez, euh, vous continuez à former votre ailier jusqu'à extraterrestre ailier, c'est une alternative, 41 semaines, pour laisser le temps aux attaquants du coup de se former. 41 semaines, donc là on gagne pas de temps, c'est juste que par contre on a un ailier extraterrestre. Donc là on part d'un excellent, on le pèle cher, on sait qu'on a l'extraterrestre, nos attaquants et nos latéraux ont le temps d'être formés jusqu'à 41 semaines. Voilà, c'est une alternative, ce n'est pas un raccourci, c'est une alternative à réfléchir au moment de faire votre plan. Donc là, c'est une correction du plan que je fais, mais je voulais surtout vous faire prendre conscience de ce qu'il fallait étudier. Quand on se dit, tiens, je vais plutôt partir d'un excellent, j'ai les moyens, je vais me payer un excellent ailier. qu'est-ce que ça fait comme conséquence La conséquence, si je perds, si je à Titanesque, c'est que je perds 5 semaines de formation pour mes attaquants et pour mes latéraux. Alors dans ce cas-là, je peux compenser en montant jusqu'à ailier. Ça fait rajouter 3 semaines de plus, je perds 3 semaines, mais mes attaquants et mes latéraux ont le temps de monter, et par contre, j'ai un ailier. Mais dans ce cas-là, pensez également au salaire. Voilà, c'est vraiment toute une mécanique qui s'emboîte, tout va ensemble. Donc le problème majeur, c'est que les ailiers excellents, ben, ils sont rares, et avec spécialité, ben, ça devrait être plus rare. Si vous voulez vraiment un ailier imprévisible, vous aurez plus de chances de le trouver dans la catégorie honorable, la catégorie excellent, et ben vous allez peut-être en trouver plus rarement et ça va être beaucoup plus cher. Donc le bilan de cet ajustement ou raccourci en termes d'ailier, c'est prendre des attaquants, surtout avec honorable ailiers, au lieu de inadéquate le reste. C'est à votre discrétion selon euh, vos finances, surtout parce que c'est pas du tout le même budget. Alors, la construction, on était parti sur 51 semaines avec des milieux de terrain honorables et défense passable, passe passable, c'est une très bonne base. Il faut savoir qu'on on gagne que 4 semaines parce qu'on met 47 semaines en partant d'un excellent pour devenir titanesque. 4 semaines en partant d'un excellent, donc c'est clairement pas la révolution. Les liés, est-ce qu'on forme les liés on forme construction, on forme également les liés. on passait de. Passable, on partait d'un passable construction. Et dans ma vidéo, j'avais marqué qu'il terminait inoubliable. Et en vrai, je me suis trompé. En fait, il termine que brillant. Construction et non pas inoubliable. J'ai fait une petite erreur de calcul. Pourtant, Dieu sait que j'avais tout vérifié. Je ne sais pas combien de fois. Mais donc, malgré tout, là, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que non. En partant d'un ailier passable de 17 ans et quelques jours, on termine à brillant 51 semaines et non pas inoubliable. Alors, l'astuce du coup pour compenser ça... Vous pouvez très bien commencer par former quatre semaines les ailiers avant de commencer de former construction les milieux de terrain. C'est-à-dire vous achetez les ailiers, vous faites jouer au milieu de terrain quatre semaines, comme ça ils ont l'entraînement à 100%, non pas 50%, et du coup ben, ils passent honorable. Euh, je dis des bêtises, oui, ils passent honorable, et quand ils retournent sur leurs ailes à 50%, ils auront le temps de monter jusqu'à inoubliable. Et il faut penser également, j'ai marqué, mettre les ailiers en remplaçant des milieux les mercredis. C'est très très important dans votre entraînement, toujours prévoir que le mercredi, alors que vous êtes en train de former vos milieux de terrain en construction, ben l'un d'eux peut très bien se blesser à la 43e minute. Ben vous mettez en remplaçant des milieux un ailier. Comme ça, l'ailier va venir s'entraîner de la 43 e minute à la 90e minute le mercredi à 100%. Il va bénéficier donc de, de 45 plus de 47 minutes à 100%. Et comme on reçoit l'entraînement 90 minutes, il y aura donc 47 minutes à 100% le mercredi. Plus 43 minutes à 50% du samedi. Donc, il aura en fait. Euh, bah, il n'aura pas fait un entraînement à 100% total, mais il aura grappillé des minutes de 100%. Donc, vous vous doutez bien que quand vous formez 51 semaines, vous allez forcément avoir des blessures parmi vos milieux de terrain. Donc, le samedi, c'est pareil. Vous pouvez mettre. Ah, c'est vrai que le samedi, si vous jouez un match important, non, il vaut mieux mettre un autre milieu de terrain en remplaçant des milieux, des fois qu'il y a un blessé. Mais si c'est un match que vous êtes sûr de perdre, où vous êtes sûr de gagner facilement, mettez un ailier en remplaçant du, du milieu de terrain. Si des fois ben, un milieu de terrain se blesse, parce que sur 51 semaines, vous aurez des milieux de terrain qui vont se blesser. Donc pensez à mettre l'ailier en remplaçant. C'est pareil quand vous formez ailier. Vous pouvez mettre un, un attaquant en remplaçant ou un défenseur latéral pour qu'il profite d'un entraînement à 100%. Donc le raccourci ou l'amélioration, en fait, sur la construction, j'ai marqué jouer sur les secondaires. Défense passe. Voilà, c'est la petite euh, variante, euh, l'ajustement qu'on peut faire. Voilà, on était parti sur un, un milieu de terrain honorable avec à passe et passable défense. Ben, si vous pouvez grappiller un petit honorable passe, ben c'est plutôt cool ou un honorable défense. C'est vraiment la, la variable d'ajustement. Ça va plutôt être les secondaires, pas le niveau primaire, parce que concrètement, un excellent, excellent construction, voilà, ça va coûter très cher pour gagner que quatre semaines. C'est ridicule. Alors, on va s'intéresser au buteur maintenant qui, eux, avaient un cycle de 53 semaines et notre débutant était parti sur un buteur honorable avec honor à passe. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir grappiller là-dessus Un excellent ne fait gagner que 4 semaines. Donc là, c'est comme la construction. Alors, excellent buteur, bah, ça va coûter cher. Pour seulement gagner 4 semaines, c'est pas très, très pertinent. Euh, comme annoncé, bah, monter l'ailier. C'est la variable qu'on a vue précédemment dans le cadre de l'entraînement euh, ailier. Monter l'ailier, voir un peu la construction, si vous pouvez grappiller un petit inadéquat, tout passe à construction, ce n'est jamais perdu. Mais vraiment, il n'y a pas de raccourcis sur le poste primaire buteur, parce que bah, ça va coûter très cher pour seulement 4 semaines. Donc j'ai marqué, il est comme prévu, voir la construction. Alors on arrive au coup franc. Alors le coup franc, ça va être un très intéressant. Je dis ça pour pas que vous décrochiez de la vidéo. Ah oui, J'ai des petites bandes annonces entre-temps. franc, restez, continuez à regarder la vidéo. franc, ça va être intéressant cette semaine parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur cette notion de franc, d'entraîner franc aussitôt après avoir formé le gardien. On m'a demandé comment rentabiliser cet entraînement. Est-ce qu'on peut le retarder à plus tard et on forme que le gardien Alors regardez ça. Alors comment rentabiliser cet entraînement Alors hélas pour un débutant euh, alors concrètement, voilà, si vous mettez à former gardien euh, après avoir vendu toute votre équipe et que vous disposez de 60 millions en caisse, euh, bah, le problème c'est qu'après avoir formé gardien, bah, vous aurez passé 3 saisons donc vous n'aurez plus 60 millions en caisse de disponible, vous n'aurez certainement plus que 15 ou bien peut-être 25. Donc c'est clair que si on forme, si on prend des gardiens qui sont déjà légendaires ou titanesques, on les recrute, on les forme. Euh Coup franc et au bout de la fin de la saison, on les vend, on fait du bénéfice. Le, le, le coup franc est très recherché sur les gardiens et ça fait vraiment varier le prix. Si vous commencez avec très peu d'argent, vous êtes débutant. Euh, J'ai pris euh, un exemple, voilà, un gardien passable qu'on aurait pu acheter passable, faible défense, à 17 ans et 10 jours. Au bout d'une saison, il se retrouve donc à 18 ans avec inoubliable coup franc, Ben, il vaut que 90 000 euros. Il n'y a pas un énorme bénéfice parce que là, le problème, c'est l'âge. Il a pris une saison donc en vrai il n'y a pas de gain, alors bien sûr vous allez les acheter peut-être 30-40 000 euros pour les revendre 90 000 vous faites 50 000 euros de bénef, si vous faites ça sur 10 joueurs, bah, vous faites 500 000 euros de bénef moins le petit pourcentage et vous faites du 450 000 net au bout d'une saison, pourquoi pas tous les mercredis vous faites jouer des défenseurs passables que vous formez pourquoi pas, euh, voilà le gain il n'est pas énorme, donc non franchement rentabiliser cet entraînement euh, coup franc, à moins de disposer d'une Grosse économie pour vraiment acheter des vrais gardiens légendaires sans naturel, le titanès gardien conforme en couffrant, où là, clairement, oui, ça va être rentable, mais sur des petites sommes, sur des petits profils de gardiens, c'est pas hyper rentable. Donc, désolé, non, la rentabilité financière, non. Après, j'ai envie de vous dire, la rentabilité financière, a se fait sur votre gardien remplaçant que vous allez vendre. Euh, avec couffrant, le mythique, il est à 14 millions. Sans couffrant, il sera à 12 millions. Voilà, je vous l'avais montré sur la vidéo sur les, sur les gardiens. Il y avait un gardien avec inadéquat de couffrant, Non, formidable couffrant, il était à 12 millions. Et avec extraterrestre couffrant, il était à 14 millions. Donc voilà, c'est là la rentabilité de l'entraînement, c'est vraiment sur le gardien remplaçant. Est-ce qu'on peut le retarder à plus tard C'est une bonne question. Voilà. Le cycle d'entraînement, si on ne marque pas, si on fait ça après gardien, on fait buteur, après on fait construction, après on fait élite, après on fait défense. Est-ce qu'on peut former à un moment coup franc, à ce moment-là Je dis très bien, vous pouvez très bien le former après avoir fait construction, vous allez former plus de joueurs. C'est juste une saison où là, du coup, la problématique, c'est que c'est tout votre effectif qui va prendre une année pendant ce temps. Ils vont tous vieillir d'un an. Donc oui, vous pouvez le retarder à plus tard. Le problème, je vous montre mon gardien à moi. J'ai fait l'erreur de ne pas former coup franc aussitôt, justement. Je n'y avais pas pensé à l'époque, il y a 26 ans et 80 jours, donc il n'est que inadéquat de francs Et je le traîne comme un boulet, cet inadéquat de francs maintenant que j'ai formé mes attaquants, mes ailiers, que je vais bientôt passer à la construction. Donc il faudrait que j'arrête mes entraînements pour former francs et donc que euh, mes attaquants et mes ailiers prennent une année dans la gueule, en attente euh, que je recrute mes milieux de terrain, du coup. Donc on va avoir un décalage, euh, c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant, pour moi je trouve que c'est embêtant. Alors c'est pas un blocage, vous pouvez très bien le faire. C'est vous qui voyez, vous pouvez très bien le faire après avoir formé ailier. Le top du top, c'est de former bah, coufrant quand vous avez fini votre cycle. Donc ici, on peut rayer défense parce qu'on a vu qu'on formait pas défense. On va acheter les défenseurs. Donc en effet, vous pouvez former coufrant une fois que vous avez tous vos joueurs, ce qui n'est pas con parce que vous formez coufrant tout le monde, donc vous allez avoir un beau tireur et puis bah, vous allez avoir une bonne note de coufrant direct, parce que tout le monde aura du coufrant. Vous pouvez le faire à ce moment-là. C'est juste qu'entre temps, bah, vous allez traîner votre gardien inadéquat. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et voilà, je vous rappelle qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un gardien de 30 ans. Donc, il va penser à le changer. Donc, si vous voulez le revendre, bah, il est, quand il a qu'une adéquate coup franc, bah, il vaut moins. Donc, voilà. C'est embêtant, cette séance de coup franc, mais ça a également une utilité quand même. Alors, après, on peut essayer de gagner du temps. On se dit, tiens, parce que dans mon exemple, on va être d'un médiocre, et en 16 semaines, on est arrivé à extraterrestre. Ok. Si on part d'un inadéquat, on a un extraterrestre en 14 semaines. Donc là, vous gagnez deux semaines en montant, en achetant des gardiens qui sont inadéquats euh, coup on gagne deux semaines seulement. C'est pas énormissime. Ou bien on peut se dire non, je forme 16 semaines, et donc part en partant d'un inadéquat, on obtient un mythique. Voilà. Mythique, euh, Mythique coup franc. En 16 semaines au lieu d'extraterrestre. Bon, c'est un niveau de plus. Sinon, vous n'êtes pas obligé de former 16 semaines. On peut gagner beaucoup de temps en se contentant d'un légendaire. En partant d'un inadéquat, on a un légendaire coup franc en 9 semaines. Ah, c'est quand même pas mal. On a une base, on a gagné 7 semaines. C'est quand même pas mal, un gain de 7 semaines. Donc, vous pouvez jouer sur, cette, euh, sur cet ajustement-là. C'est vous qui décidez. Moi, c'est vrai que je, je vous conseille de viser vraiment du haut. Moi, je vous dis que pour lutter contre des tiers de loin, c'est bien d'avoir du extraterrestre mythique franc. Mais après, légendaire, au début, vous formez votre équipe. Au début, donc, allez en div 6. Après, un en div 5. Donc, des grosses équipes tiers de loin, c'est pas bien grave. Ah, votre gardien elle a besoin d'être au taquet quand votre équipe est au taquet. Donc oui, vous pouvez vous contenter de légendaire vous arrêter à 9 semaines. C'est très loin d'être con, c'est juste que pour la vente du jumeau de votre gardien titulaire, eh bien, il aura que légendaire couffrant. Donc vous ne vendrez peut-être pas 14 millions, mais peut-être que 13 millions. Et oui, ça a aussi cet impact. C'est pour ça que je dis toujours, faut tout prévoir, faut réfléchir à tout, et toutes les décisions impliquent plein de choses sur plein de facteurs. Là, vous gagnez du temps, vous gagnez 7 semaines, mais vous perdez peut-être 500 000 euros sur la vente du gardien. Ou 1 million. On ne sait pas. C'est à voir. Mais légendaire couffrant, c'est 9 semaines. Extraterrestre couffrant ou mythique couffrant, c'est 16 semaines. Et ça, sur le marché des transferts, ça se monnaie. Eh oui, mon gars, mon gardien, tu vas l'acheter 14 millions parce que je me suis fait chier à former 16 semaines. Si vous formez que légendaire 9 semaines, ben, ben, du coup, ben, allez, je te le vends que 13 millions parce que ben, les semaines que vous avez perdu à former, ça se monnaie sur le marché des transferts. Ça a une répercussion. Donc ce choix de gain de temps, vous allez le payer sur le terme de la vente du gardien. Donc c'est un choix. Il n'y a pas la peine de me demander qu'est-ce qu'on fait. C'est vous qui voyez. C'est votre plan de développement à vous. Je ne peux pas vous aider. Moi, je fais cette vidéo pour vous ouvrir les yeux sur tous les petits ajustements possibles, et surtout les conséquences qu'il faut penser. Il faut toujours penser, toujours prévoir, toujours anticiper. Sinon, on fait une erreur. On traîne comme un boulet, comme moi, je traîne mon gardien inadéquat de coup franc. Je ne l'ai pas fait à l'époque, je n'ai pas percuté à cette problématique du coup franc. Et je vous en fais part, parce que justement, j'en ai pris conscience de cette problématique du coup franc. Donc, je vous en fais part pour que vous rendre, vous traîniez également cette erreur comme moi. Voilà, je suis sympa quand même. Hein. Je suis quand même sympa d'éviter à mes concurrents. Catric quand même un jeu concurrentiel. Et en fait, j'aide les gens à être meilleurs que moi. Je vais vraiment très con, comme ça, je vais terminer champion de France. Hein. Alors, on continue. On forme que le gardien c'est une très bonne question parce qu'on m'a posé cette question. C'est ça, ça un petit peu l'écho avec la rentabilité. On forme que gardien <laughs> ben, C'est une très bonne question. Et justement, ça me renvoie à mon astuce essentielle. Il y a une astuce essentielle que je n'ai pas encore développée parce que je garde sous le coude hein, pour que mes vidéos aient de l'intérêt. L'intérêt, ça serait de former un joueur de la ligne suivante. Quand vous avez fini de former gardien, l'astuce. C'est d'acheter un joueur de la ligne suivante. Là, dans mon exemple, c'était buteur, mais ça pourrait être le milieu de terrain ou il y est. Vous achetez un buteur et vous allez le former également coup franc. Petit problème, c'est que ce joueur il vaut 1 million. Alors est-ce que notre débutant il a un million de disponible Parce qu'il forme gardien. Mais tant qu'il ne vend pas, il n'a pas tellement d'argent. Alors on peut dire gardien, ok, il a formé ça pendant 50 semaines, il a dû se faire un petit peu d'économie, mais il avait tendance à acheter des vieux joueurs parce qu'il bah, avait des chèvres. Alors, il faut penser. Là aussi, il faut anticiper, se dire après gardien, je vais former coup franc. Et bien justement, la bonne idée, c'est de se former un joueur de la ligne suivante. Comme ça, j'aurai un tireur de coup franc. Et ça, c'est loin d'être con. Par contre, justement, il faut anticiper. Je vais devoir me payer, du coup, un buteur honorable, honorable passe. Ce joueur regarde son marché de transfert, il vaut un million. Donc, pendant les trois saisons de gardien, et bien, il faut économiser le million. Donc, l'astuce, justement, coup franc, 16 semaines, prévoir un buteur, enfin, prévoir un joueur de la ligne suivante. On peut gagner du temps en s'arrêtant à un légendaire. Voilà. On va revenir sur le gardien. Gardien, 54 semaines. Alors, je vais faire assez vite, parce que là, c'est vrai que c'est vraiment l'exemple théorique, parce que je pense que personne ne va se retrouver dans cette situation-là. Je disais gardien, 54 semaines, parce que là-bas, c'est le coach. Et donc, c'est important d'avoir un honorable tout de suite. D'accord? Et le tout couplé à deux adjoints niveau 5. Dans mon exemple, comme pour le coup franc, oui, alors, dans, voilà. Comme, comme pour le coup franc, il y a un manque de liquidité au départ pour un, pour un débutant. Il ne peut pas avoir tout de suite un, un coach honorable à moins de se mettre à découvert. Certains veulent se mettre à découvert. C'est possible. On peut retarder l'ouverture de l'académie pour le faire. Deux adjoints niveau 5, ça coûte cher également. On se met un petit peu en danger. Il y a une solution quand même. Avec l'entraîneur passable et deux adjoints niveau 3, si notre petit débutant, il recrute un gardien passable comme prévu, qu'il l'emmène jusqu'à formidable au bout de 9 semaines, il peut le vendre un million de pièces. 1 million pièces, le gardien formidable, au bout de 9 semaines. Le marché a monté. Je regardé le marché, c'est ça, actuellement. Quand j'ai fait mes toutes premières vidéos en mars, quand je conseillais de former euh, gardien, euh, le gardien formidable, il valait 700 000, je me souviens. Ben là, c'est 1 million. Vous avez vu, j'en ai vu, j'ai vu. 1 million pièces, le, le gardien formidable. C'est ben, formidable. Donc, du coup, notre petit débutant, au bout de 9 semaines, il peut donc vendre 2. Gardien formidable à 1 million pièces, Avec ça, il s'achète un entraîneur honorable et docteur de chef à 268 000. Et il achète deux gardiens honorables inadéquats de défense avec inadéquats de coup francs à 400 000 euros pièces. je même vu à 350 000. Et donc, il a son petit million mis de côté pour acheter son buteur. Bravo, petit débutant. Tu as bien réfléchi comment faire et tu as tout anticipé. Alors, voilà, la comparaison en termes de temps. À l'origine, 54 semaines de gardien, c'était pour simuler le fait qu'il avait un entraîneur que passable et pas d'adjoint. 16 semaines de coup francs pour maintenir l'extraterrestre, ça fait 70 semaines au total. Avec la nouvelle base, 9 semaines de formation gardien, on vend, on achète les nouveaux, 49 semaines de gardien seulement parce qu'on a un entraîneur honorable, 14 semaines de coup franc seulement au lieu de 16 parce qu'on part d'inadéquats de coup francs pour l'extraterrestre, et en même temps on entraîne un buteur. Et euh, moralité, 72 semaines. Donc notre débutant, il n'a perdu que deux semaines, mais il se retrouvait avec un de coup extraterrestre qui finira titanesque buteur. Et ça, c'est très loin d'être con. C'est même très important. Pour les non-débutants, je ferai la morale en disant qu'un plan doit se prévoir dans l'entièreté et donc prévoir le financement des étapes. Là, en l'occurrence, prévoir le financement de la ligne suivante, du recrutement d'un membre de la ligne suivante pour pouvoir le former en coup franc. Donc le bilan au total, bah, faire une première vente pour financer le coach et le buteur qui sera formé en coup franc. Moralité, si on compare tous les ajustements que j'ai proposés, donc on a rayé la défense, on a fait des petits ajustements. On voit que donc du coup, ici, on a un attaquant qui est donc extraterrestre couffrant, Il a 27 ans comparé à ses autres copains qui n'ont que 26 ans. Là, on a donc des attaquants avec euh, inoubliable ailier au lieu de brillant ailier. C'était un petit ajustement. Et puis ben voilà, et donc on voit donc la différence que l'ensemble de ces ajustements font que ben, tous les joueurs sont euh, plus jeunes puisqu'on a formé que 13 saisons, le euh, 17 saisons grâce au fait de ne pas avoir formé défense. Donc voilà, on a quand même réussi à grignoter quand même pas mal de choses. Maintenant je vais vous parler du couteau suisse. Le couteau suisse. Que se cache-t-il d'ailleurs le couteau suisse Le couteau suisse. Rappelez-vous notre débutant, il forme 6 buteurs et il fait 3 ventes. Et si seulement deux ventes pour se créer un joueur polyvalent Eh <laughs> oui Alors à l'origine, notre débutant, elle achète six attaquants, buteur honorable, honorable passe. Six pour les former en buteur, et on en vend donc deux ou trois. Mais le même profil il a pris. Et si notre petit attaquant... Notre petit attaquant. Et si notre petit débutant... Il avait recruté un buteur honorable avec honorable lié et passable construction. Dans l'exemple, médiocre passe, ne vous formalisez pas, c'est juste que sur le marché des transferts, j'ai pas trouvé de d'inadéquate passe pour faire une belle capture d'écran. Quand il y avait inadéquate passe, il n'y avait pas la construction, mais il n'y avait pas l'aiguille. Donc voilà. Donc vous ne formalisez pas sur la passe, d'accord? Vous, vous prendrez votre temps à recruter et vous arriverez bien à retrouver un inadéquate euh, passe. Donc il prend 5 buteurs, honorable buteur, honorable passe. Avec de l'ailier, là il a pris faible, mais il doit suivre mon conseil et prendre de l'ailier un peu plus élevé. Ou au moins de la construction. Et donc là, il s'en prend un comme ça. Parce qu'il a un plan. Il veut se créer un couteau suisse. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fini de former buteur titanesque, il va en vendre deux au lieu de trois. Et celui-ci va continuer à être entraîné construction et ailier. Il a son buteur titanesque, il a de l'honorable. Et du passable construction. Et là, ça va faire un bon joueur. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il va le former 51 semaines construction et donc il devient brillant construction. Donc il est un attaquant titanesque avec brillant construction. C'est plutôt pas mal parce que la construction a le, de l'attaquant, elle contribue à la note de milieu. Donc c'est pas perdu. Là où ça devient fort, c'est que donc, notre attaquant a 23 ans et va être formé 38 semaines ailier. Il va terminer à surnaturel plus 7. Si on pousse à 40 semaines, il devient titanesque ailier. Voilà, on arrondit à titanesque ailier, ça demande deux semaines de plus. Et donc, au final, on a donc un titanesque buteur, titanesque ailier et brillant construction. Notre débutant avait trois buteurs plus trois ailiers au profil identique, mais là, l'un d'eux est titanesque buteur. Alors, vous allez me dire, euh, ouais, d'accord, et donc, Seb, il est titanesque buteur, l'ailier. Ou bien, c'est un titanesque buteur avec titanesque ailier et brillant construction. L'intérêt majeur, c'est que dans notre simulation, notre débutant se retrouve avec trois attaquants seulement, trois ailiers. Là, il aura trois ailiers toujours, mais un ailier qui a titanesque buteur. Et donc, en fait, ce couteau suisse va s'avérer tactiquement, c'est-à-dire qu'il peut donc l'aligner comme buteur vers l'aile. Titanesque buteur, titanesque ailier, je ne vous dis pas comment il booste l'aile. Il peut l'aligner en ailier. Il fait son job en ailier. Titanesque buteur, s'il a une ESE rapide ou imprévisible, il va la marquer. Là, c'est un tueur, le mec. Mais surtout, il sert de remplaçant. Parce que notre, notre débutant n'avait que trois attaquants. Donc, dès qu'il y a un suspendu, dès qu'il y a un, un blessé, il est dans la mouise. Que là, ce joueur couteau suisse, il peut être joué sur l'aile, il peut jouer buteur. Donc, s'il y a un suspendu en ailier, il prend la place. S'il y a un blessé en ailier, il fait le job. S'il y a un blessé en attaque, il fait le job. Ça permet d'avoir un joueur. Ça évite d'avoir quatre attaquants, dont toujours un qui euh, sert à rien. Là, il a un attaquant qui donc sert d'ailier, qui sert de buteur. Alors, même s'il est mi-titulaire en attaque, c'est pas grave. Au moins, il y a un vrai buteur sur le banc. Si lui-même est blessé, il y a un buteur. C'est vraiment pour compléter l'effectif. Parce que dans notre exemple, il avait les mêmes profils. Il avait que trois buteurs et trois ailiers au même profil. Donc là, il a que trois buteurs. Mais il a trois alliés, dont ce profil titanesque buteur. Donc en vrai, ce titanesque buteur, il sert à tout. Il crée un remplaçant, parce que s'il est mis en attaque, ben ça fait un remplaçant. Et surtout, s'il y a un allié qui est blessé, pas de souci. Il est titanesque ailier, il peut remplacer l'ailier. Et s'il y, un... il... y a un buteur blessé, c'est pas grave. Du coup, il y a quatre buteurs grâce à lui. Donc c'est vraiment le joueur qui est utile. faut penser à se faire ce genre de joueur qui sert. Moi, personnellement, j'en ai un. J'ai un allié qui est surnaturel buteur. Ben, L'autre jour, j'avais un buteur qui était blessé, ben, c'est pas grave. Il a joué en attaque et comme j'ai d'autres alliés, c'est pas de souci, il n'y a pas de problème. Les répercussions financières du coût aussi parce que c'est bien beau mais du coup il a vendu que deux attaquants au lieu de trois. Donc au début, il y avait 6 millions en caisse. Au moment où il forme où il décide de vendre ses buteurs, 6 millions en caisse, et il vend 3 buteurs pour 18 millions, surtout retrouve avec 24 millions. Mais là du coup, il en vend que deux. Donc du coup, deux pour 12 millions et donc il se retrouve avec plus que 18 millions en caisse. Alors est-ce que ça met en cause tout le reste du plan 18 millions en caisse, achat des milieux pour 6 millions, il reste 12. Achat de, non pas de 4 ailiers pour 3 ,2 millions, mais de 3 ailiers pour 2,4 millions, 4 petite économie, grandissement du stade comme prévu, il reste 8,8 millions. 8. 51 semaines d'entraînement en construction plus tard, les 8,8 ,8 millions, j'avais simulé qu'il avait perdu 2 millions pendant ces saisons, parce qu'il avait mal géré, et puis bah, c'est comme ça, il a perdu 2 millions. Vente de 2 milieux pour 9 millions, on se retrouve à 15 ,8 millions. 15,8 millions, 8 achat des deux latéraux pour 10 millions, 5,8 millions seulement en caisse. 38 semaines d'entraînement liés plus tard, il vend un allié pour 10 millions, il se retrouve avec 15 8 millions 8. Seulement, il achète 200 trop pour 11 millions et il se retrouve avec 4 8 millions 8. Donc, il se retrouve avec cet effectif avec 4 8 millions 8 seulement. Donc là, on voit qu'il a donc ses attaquants classiques. Et donc là, il. peut je lui mets mon attaquant Voilà, il est là. Et il est 15, buteur 15. Vous en faites ce que vous voulez. Il peut forcément euh, remplacer ici, on peut mettre celui-ci sur le banc plutôt. Mais c'est ça le but c'est qu'il peut jouer sur l'aile. Il peut jouer comme ailier, il peut jouer comme attaquant. Et du coup, vous vous retrouvez mathématiquement, s'il est mis en titulaire, vous vous retrouvez donc avec un remplaçant des buteurs que vous n'aviez pas à l'origine dans l'effectif. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de faire ce genre de joueur. Moi, je trouve que c'est important. puis avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs places, ça permet de brouiller les pistes également tactiquement en faisant varier ses notes de secteur. Voilà, moi on en parlera dans d'autres vidéos. Donc là, car, comparaison au final de ce nouvel ajustement. C'est que, ben, on a un meilleur, euh, meilleur remplaçant qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de remplaçant. Il est surtout un meilleur profil. Et puis bon, que 4,8 millions en caisse par contre. Par contre, plus que 4,8 millions en caisse, c'est pas que c'est un problème, mais c'est pas hyper confortable non plus. 4,8 millions avec cette équipe qui est jeune, hein, 26 ans, 27 ans, mais on a gardien de 30 ans. Il y a des hauts salaires. J'ai dit qu'en Actif 4, on gagnait suffisamment d'argent. On est plutôt pas mal, mais 4,8 millions, ça ne permet pas de se projeter euh, dans l'avenir de façon sereine quand même. Là, on ne peut pas dire qu'on croule sous les millions. Alors 4,8 millions en caisse, je dis que c'est un problème, surtout qu'on doit avoir un équilibre niveau sportif, niveau des finances. Euh, C'est-à-dire que vous montez en DIF4. Donc là, forcément, vous avez un bon niveau sportif, mais il va falloir prévoir le futur. Il va falloir prévoir la DIF3. Si vous êtes en DIF4, c'est pour monter en DIF3. Le but, ce n'est pas de laisser mourir euh, son équipe à feu doux. Donc, ça, il ça, encore, faut encore l'anticiper. Et puis, ça, bah, vous voyez, c'est ma conclusion et ça fait l'intro à la prochaine vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis, on verra ça dimanche prochain, tout simplement. Et j'aime bien vous donner un petit peu envie de voir la vidéo du dimanche prochain. Et surtout, on continue la progression de manière cohérente. Il faut vraiment avoir dans son plan un niveau sportif qui correspond à un niveau de division et surtout à un niveau de finance. Et ça, ça s'anticipe également. Et on verra ça dimanche prochain. Allez, ciao, ciao!